Hello les gens, hello tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui parle d'un zoo, un petit zoo. Moi, j'adore les animaux, comme vous le savez. Et donc là, il va falloir, à mon avis, remettre un coup de neuf parce que quand je vois la tête du zoo, ça me fait un petit peu mal au cœur quand même. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je suis l'administratrice de ce zoo. Honnêtement, c'est un zoo magnifique. Voilà tout ce qu'il en reste. Les autorités locales veulent tout démolir et construire un énorme supermarché à la place. Ils estiment que ce serait plus rentable. Tous les animaux ont été emmenés et l'endroit tombe en ruine. Mais je garde espoir. Nous réparerons cette injustice et nous redonnerons à ce zoo sa gloire d'antan. Je visite ce zoo depuis mon enfance. Je l'aime vraiment beaucoup, tout comme les autres habitants de la ville. Voudras-tu m'aider à le restaurer? Bien sûr qu'on va t'aider. Alors, pour le restaurer, il faut aligner des fruits et des carottes. Oui, bah c'est un style. Oh, il y a un petit tigrounet là-haut, il est trop mignon. Bon, alors, on va essayer de faire des combos, hein. D'accord, je ne voyais pas la réparation du zoo comme ça, mais apparemment, c'est possible. On a une petite bombe, là. Je pense qu'il va falloir qu'on s'en serve. Alors, carotte. Comment je fais? Ah, voilà. Oh, ça a explosé. D'un coup, d'un seul. Je vous montre le petit tigrounet qui est au-dessus de ma tête. Est-ce qu'il est pas choupi? Pour commencer, je sais ce que nous allons faire. Nous devons d'abord installer une porte ici. Tous ceux qui la verront voudront regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Allez, au boulot! Ah, je crois qu'il fallait que je choisisse une porte et que j'ai validé direct. Mais c'est une belle porte. Mais j'ai pas compris le principe de choisir la porte. J'ai cliqué direct. Un bon début. Je ne connais pas votre nom. Je m'appelle Lulu. Heureuse de faire votre connaissance, Lulu. Je suis sûre que nous ferons une très bonne équipe. C'est si sale ici. Je n'ai aucune idée de comment retirer toutes ces ordures. Mettons-nous au travail. Où est mon balai? On va appuyer sur le balai. C'est parti, moi je vais te nettoyer tout ça, moi. Allez, un coup de balai. Il nous faut 20 raisins et 20 pommes. C'est bien connu, on enlève la poussière avec des raisins, des pommes et des poires. D'accord, je peux la faire exploser quand je veux. Bon, réfléchissons. Ici. Oula. Ah oui. Ah oui, non, on fait pas semblant. Double. On a assez de pommes, on a assez de raisins. On a tout, tout a explosé. J'ai rien eu à faire à cette partie. Allez, wouhou, feu d'artifice. Au moins, ça nous fait gagner des petites papates dorées et je pense qu'on va avoir de l'argent pour réparer tout ça. Voici ton bloc-notes dans lequel tu peux trouver la liste des choses à faire. C'est mieux. Alors, on va retirer les déchets. C'est parti, au travail. Un peu de patience. Ah bah, c'est beaucoup mieux. Elle a fait tout ça toute seule au balai. Elle aurait pu le faire toute seule avant que j'arrive quand même. Hein. Ouh, c'est tout propre et tout rangé maintenant. Je viens de remarquer qu'il n'y a aucun endroit pour s'asseoir et se reposer. Il faudra installer des bancs. Je suis plutôt d'accord. Alors, où est-ce qu'on va placer des bancs? Est-ce qu'on a le droit de leur trouver des places? Oui, la statue, c'est vrai qu'elle est en mauvais état aussi. Allons placer des bancs. Pour ça, il nous faut... Je sais pas ce que c'est, ça. Est-ce que c'est des groseilles? Ou est-ce que c'est... Ça me dit quelque chose? C'est pas des fruits qui sont un petit peu amers? Ou très acides? Plutôt acides. J'ai plus le nom. Je sais que mon beau-père, il en a dans son jardin. J'arrive plus à trouver le nom. C'est quelqu'un là. J'ai l'impression que le jeu joue sans moi. Ah, il y a des citrons qui ont débarqué. Elle est fière de moi, elle est très très fière. Alors, on peut mettre les bancs? Oui. On a des petits tickets pour mettre les bancs, parfait. Elle a l'air déterminée là. Je sais pas où elle va les mettre. Ah d'accord. Je sais pas trop. Les rouges, hein. Ouais, les rouges sont sympas. Les blancs, je trouve qu'on les voyait pas du tout, et les verts, ça faisait un peu... banc pelouse. Je pense savoir pourquoi il y a autant de détritus avant. Il n'y avait aucune poubelle ici. Ah bah, c'est un peu gênant, hein. C'est un lieu public, s'il n'y a pas de poubelle, c'est sûr que les gens, ils vont pas manger leurs détritus. Hein. Appuie sur l'objet et maintiens pour le modifier. D'accord. Ah d'accord, je peux modifier au moment où je veux, ok. Si on plantait quelques fleurs? Oui. Allez, on va planter des fleurs, c'est parti. Des poiriers, des pommiers, des cerisiers, des manguiers... Alors, il nous faut 22 pommes et c'est du cassis peut-être. Je crois que c'est du cassis. Plus je le regarde. Boum! De la pomme. Ah! Ça c'est quoi? Ah oui, d'accord. Ça c'est efficace aussi. Ça te récupère toute la zone. Pour l'instant, ils sont gentils avec nous. Hein. Ils nous facilitent pour qu'on s'accroche. Ils se sont dit, on va lui donner plein de bonus, on va lui remplir son sac de fruits. Elle va adorer le jeu. Alors, on va planter des fleurs. C'est parti. Moi, je veux avoir des animaux, en fait. C'est bien joli de tout nettoyer, mais... Allez, allez, on place les poubelles. Hop, hop, hop. Parfait.
Ouais, bah la première était bien. Je suis pas originelle du tout, à chaque fois on me donne 3 choix pour le premier. Que pourrait-on encore faire pour donner un coup de jeune à cet endroit? Je sais. Et si on mettait des parterres de fleurs près de ces nouveaux bancs? Comme ça, les gens pourront s'asseoir et admirer nos fleurs. Enfin, en même temps, quand tu vas dans un zoo, normalement, c'est pas pour regarder les fleurs, c'est pour aller voir les animaux. Hein. Allez, on s'occupe du parterre de fleurs. Ah oui, on voit tout de suite que c'est plus feuillu, là. Utilise le râteau pour retirer le fruit de ton choix. Bah, pour l'instant, j'ai pas besoin de râteau. Ça va aller. Mais ok, je garde le râteau en tête. Alors, il faut qu'on fasse sauter les petits morceaux, là, je pense. Ah oui, voilà, 33. Ok. On s'en occupe. Je suis sur le dossier. Ici, du petit raisin, de la poire, de la pomme. Nickel. Oh, qu'est-ce qu'on est fort. Et ah, il reste un morceau. Ah oui, là. Il nous faut une carotte. Voilà. Quelle efficacité. C'est un petit peu un Candy Crush, mais version fruits-zoo, tu vois. C'est des fruits dans un zoo, à la place des bonbons, dans un monde imaginaire. Alors ça c'est quoi? Avec un booster, double missile. Oui, d'accord. Alors doucement avec le missile quand même. Hein. Allez, voilà, c'est ça que je voulais. On y aille par étapes quand même parce que... Oh, c'est beau! Ah oui, mais ça change tout. Qu'est-ce que c'est beau. Les premiers, j'aime beaucoup. Alors, le deuxième, ça fait un peu chic. Et puis le rouge, ça rappelle la couleur des bancs, c'est classe. Mais celui-là, en fait, c'est les petites fleurs violettes. Là, je les trouve vraiment trop trop belles. Ah, je vais prendre le premier. Ah, mais ça change tout. Hein. Là, t'as envie de rentrer dedans, c'est clair. Très bon choix, Lulu. Ensemble, nous allons construire un magnifique zoo, j'en suis sûre. Entre le moment où je suis arrivée et maintenant... Pourquoi on mettra pas une belle statue au centre? Il y a une statue autrefois ici, je m'en souviens. Maintenant, la question c'est... Où peut-on en trouver une? Mais oui, je t'ai parlé de mes nombreux amis. Eh bien, mon voisin est un sculpteur très doué. Il a déjà réalisé de superbes sculptures pour notre ville. Il a même fait la une du journal local. Bon, bah allons voir ton voisin alors. Tiens, ça y est, c'est son voisin qui vient chez nous. Bonjour. Pourquoi m'as-tu fait venir dans un endroit aussi désolé? De quoi s'agit-il? Oh! Eh, on vient de tout refaire là, hein. Visiblement, ça ne fait pas très longtemps que tu habites ici. Sinon, tu saurais que ce zoo était autrefois l'endroit le plus célèbre de toute la ville. Nous sommes ici pour lui redonner tout son charme d'autrefois et le rendre de nouveau célèbre. Je vois. Si vous comptez sur moi pour ramasser tous les détritus... Mais non! Ça, on s'en occupe. En vérité, on se demandait si tu pouvais nous sculpter quelque chose. Cet endroit accueillera bientôt de nombreux visiteurs. Je les imagine déjà en train d'admirer ton travail. Ah, dans ce cas, oui, bien sûr. Je peux vous aider, construire et créer. C'est ma vocation. Alors, il va faire quoi? Alors, un lion, un rhinocéros ou une... Oh non. Oh, la girafe avec les jambes, je peux pas. Non, le lion. Hein. Franchement, enfin, le lion, c'est un peu l'emblème des zoos. Hein. C'est un peu... C'est majestueux, c'est gracieux, c'est félin. Un lion. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Mon voisin a un talent incroyable. Tout le monde ne parlera que de son travail. Allez, on va récupérer des tickets. Sinon, on va vite être bloqué là. Alors. Oula. Il se passe des choses ici. Raconte-moi. Est-ce qu'on a un nombre de coups? Parce qu'à mon avis, au bout d'un moment, on va être bloqué. Enfin, c'est forcé qu'il y ait un nombre de coups quelque part. Pour l'instant, ils nous disent rien. Ils nous font genre tout se passe bien. Mais à un moment, on va être bloqué. On va pas comprendre. Ah, je me suis trompée. Alors, toi, tu vas là. Normalement, on aura déjà dû avoir fini, mais je me suis plantée avec la poire. Là. C'est un peu magique. Imaginez quand on aura des petits tigres et tout, comme ça, là, comme celui qui est au-dessus de ma tête. J'ai hâte de voir les animaux dans le zoo. Ils vont être trop, trop mignons. Voilà, on a récolté des sous. Récompense, le petit ticket. C'est celui-là dont on avait besoin. C'est parfait. Avec deux tickets, on va pouvoir avancer un peu. Alors, démarrer une nouvelle journée. C'est parti. Je n'arrive pas à croire à quel point nous avons travaillé aujourd'hui. Maintenant, j'en suis sûre. Une fois restauré, ce zoo aura un succès phénoménal. Non, je ne partage pas sur Facebook mon zoo, il est encore trop tôt. Ah oui, à l'entrée aussi, c'est une sale tête. Hein. On va avoir du travail. Hein. Je pense qu'à part après, il va falloir... Ah oui, d'accord, on débloque au fur et à mesure les zones. Oh, ici, il y a un tigre. Autrefois, cet endroit accueillait des lions et des tigres. C'était l'attraction phare du zoo. C'était pas si surprenant, tout le monde veut venir admirer ces animaux majestueux. C'est vrai.
Ok, très bien. Commençons par nettoyer cet endroit. Ah oui, parce que là, les arêtes et tout, c'est horrible, quoi. Faire quelque chose, là. Dis-moi, Lulu, est-ce que tu as des propositions pour améliorer le zoo? Oui, mais là, déjà, faut nettoyer, là, ma cocotte. On retire les déchets, là. Oh ah oui, ça fait mal au cœur, là. Entre ici les bouteilles, les poissons morts et tout... Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est mieux maintenant. Mais le bassin est vraiment très sale. Pas sûr que nos animaux apprécient. Ah bah non, mais on va nettoyer le bassin aussi. Ah oui. On va pas laisser des pneus et des poissons morts dans le bassin, hein, et des bouteilles. Non, non, non. Il en est hors de question. Allez, on a encore un petit ticket, on en profite pour nettoyer tout ça. Ah, là voilà. Fantastique, il a l'air tellement différent maintenant, mais nous devons retirer ces pierres. Nos animaux ne les aimeront pas, c'est certain. Pourquoi? Ça va. Franchement, cela, c'est pas gênant. Hein. Bon, il va falloir qu'on aille cueillir quelques fruits pour récupérer un nouveau ticket. Cassis raisin. Ouf, ça va. On devrait maîtriser le dossier. Allez, on fait tout exploser, c'est parti. Bim, boum, badaboum. Il nous en faut 30 quand même. Ici on en a aussi. Moi je veux juste des tickets en fait. Donnez-moi des tickets. C'est ça, bébé tigre, après il va pouvoir s'installer là, il va être au top. Bébé tigre et bébé lion. On récupère toute la petite famille. Parfait. On a notre petit ticket qui débarque. C'est parti, retirez les pierres. Elle prend son temps, il n'empêche qu'elle fait tout toute seule. Hein. Je sais pas comment elle fait pour retirer les pierres toute seule. Hein. Un peu de patience, elle est allée chercher une brouette. La pauvre, elle a l'air crevée. Parfait Lulu, on a presque fini. Il ne reste plus grand chose à faire. Tu vois ces vieilles bûches? Empilons-les et brûlons-les. Ensuite, nous aurons plus qu'à ramasser les cendres. Comme ça, pas besoin de les emporter. Elles sont très lourdes, surtout pour une petite fille. C'est une petite fille, hein? J'étais pas au courant. On passe au niveau supérieur. Il nous faut quoi? Des poires. Oui. Que je regarde quand même ce qu'il nous faut. Là, on va les faire sauter là-bas. Ici, on est bloqué. C'est pas cool. Surtout que toutes les feuilles sont en bas, là. Donc, si on débloque pas le bas, on est cuite. Voilà. Alors, les pommes. Voilà, voilà. Ah, ça va mieux là, on commence à récupérer des morceaux. J'ai peur de pas avoir assez de points en fait, je stresse. Les poires, on est bon. On va les éliminer aussi. Ok, et après on fait tout sauter. Parfait, ici c'est bon, là il nous manque juste la petite en bas. Voilà. Et de l'autre côté, il nous faut de la bombe aussi. Hop. Je sais pas si on a un nombre ou pas. Hein. Pour l'instant, je vais à la one again, mais j'ai peur en fait qu'il nous manque des... Ah, je crois qu'on a plus là. Je crois qu'on a perdu là, non? D'accord, en fait c'est ça. C'est le nombre de petites papates. Ok, maintenant je vois. Bah oui, continuez, on se la refait. Maintenant j'ai compris. Voilà. C'est bon, c'est fini. C'est juste que je savais pas combien on avait de coups. Là, ça va commencer à se corser un petit peu, à mon avis. Les prochains niveaux, ça va être intéressant. Bon, ça m'a coûté des sous, cette histoire. Ça m'a coûté de l'argent, mais au moins, on va pouvoir enlever les bûches et les brûler. Alors, on enlève les bûches, madame, s'il vous plaît. C'est parti. On récupère les bûches. On fait un petit feu de camp, un petit feu de joie. On se fait un petit barbecue chamallow. Et demain, on met les tigres. Je sais pas s'il va falloir attendre que tout le zoo soit terminé ou pas. Ces bûches sont vraiment lourdes. C'est dur pour moi de les porter, ok? Brûlons-les. Bah brûle, brûle. Ah d'accord, il faut encore un ticket pour les brûler. Oh, ils abusent, hein. Bon. Eh bah d'accord, on va les brûler, il n'y a pas de souci. Après, on y verra plus clair, normalement. On va commencer par enlever les poires. Là, ça va parce qu'on n'a pas d'endroit qui nous bloque. On n'a pas de morceaux de bois. Réfléchissons. Là-haut, ici. On dirait là. Là. C'est la pelouse, là. Hop, il nous manque un petit bout de pelouse là-haut et on est bon. Hop là! Yes!
un maximum de points. Et la rembourse, là, il faut qu'on soit remboursé parce que tout à l'heure, les 300 pièces d'or, elles ont fait un petit peu mal quand même. Presque 30 pièces. Allez, on brûle tout, mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, au travail. On fait un petit feu de camp, chamallow. Moi, j'invite tous les abonnés à manger des chamallows autour du feu de camp. Si vous voulez manger des chamallows au feu de camp, mettez un petit smiley en forme de cœur dans les commentaires. Voilà, pendant que les bûches brûlent, nous pouvons réparer la clôture. Ça évitera aux lions et aux tiques de se balader partout dans le zoo. Pas plus mal, n'est-ce pas, Lulu? Moi, je m'étais dit, c'est bon, on est bon. Et ben, maintenant, il faut la clôture. Oh, je crois qu'on a un visiteur. C'est qui, lui? Dag Dag! Ah, c'est ça, affaire, enclos. Et regardez, on va pouvoir ouvrir l'enceinte, terminer les tâches de l'histoire principale. Une fois qu'on aura les clôtures, on va commencer à pouvoir avoir les animaux. Regardez, tigre, lion, panthère, zèbre, girafe. J'ai envie d'aller quand même jusqu'au premier, lui prend des photos en plus. Cela fait une éternité depuis que j'ai vu mes amis dans le zoo pour la première fois. Génial, servez-vous du téléphone public pour inviter vos amis. Non, ça va aller. J'ai envie de m'occuper du zoo, moi. Il y a du boulot, là. Allez, on met les clôtures. Allez, mademoiselle. Non, on va pas inviter les amis alors que les clôtures n'ont pas été mises et qu'il n'y a pas d'animaux. Moi, j'invite mes amis quand les clôtures sont mises. Oh, joli. Formidable, à présent, nos tigres ne peuvent plus s'enfuir. Pensons à installer une clôture pour ne pas qu'ils se baladent dans le zoo. Mais c'est fait. À moins qu'il faut une autre clôture qui termine. Ah oui, là, c'est fermé encore. C'est en travaux. Allez. On squeeze tout ça, là. On explose toute la marmaille. Ça va être vite réglé, je vous le dis, moi. Quand j'ai envie d'avoir une clôture, c'est très très rapide. Alors, je pense que vous méritez une médaille. Vous comprenez bien vite. Bah oui, je comprends que j'ai envie d'avoir des bébés tigres, surtout. Alors que la clôture, je fais fi ça. Hein. Génial, Lulu. Le tigre est déjà arrivé. Nous devons l'installer au plus vite que possible. Oui, ça y est, on a enfin un tigre. Alors, il est où? Comment ai-je pu oublier les cendres? Ça ne marche pas. Je dois balayer le sol. Oh non! On en était au tigre! Ah, il est là. Moi, j'appelle. Hein. On s'occupe des cendres après. Hein. Allô, Jack? Oui, Charlotte, c'est toi? Je n'arrive pas à y croire. Ça fait tellement longtemps. Je sais, trop longtemps. Alors, quoi de neuf? Tu rénoves encore ton appartement? Ou est-ce que tu assembles d'autres meubles? Oh non, ne dis pas que les tuyaux ont éclaté. Est-ce que tu es inondé? Mais non, Jack, tout va bien, ne t'en fais pas. J'aurais simplement besoin de toi pour fabriquer un abri pour les tigres. Attends, depuis quand? Quoi? Des tigres? Alors c'est donc ça, Charlotte? Les petits chats ne t'amusent plus? Donc tu as décidé de passer aux gros chats? Oh, je crois que j'ai compris, ma pauvre. Ne t'en fais pas, j'appelle un docteur immédiatement. Tu dois avoir de la fièvre. Jack, je vais très bien. Je te parle pas de ma maison. Ça fait maintenant un an que je travaille au zoo. Mais il va être démoli car manque de financement. Je me suis donc dit que je pourrais m'aider. Ouf, tu m'as fait peur. Bien sûr que je vais t'aider, tu sais. Maintenant, j'ai toute une équipe d'ouvriers à ma disposition. J'ai ouvert ma propre entreprise. Jack, à votre service. Le tigre est déjà là. Installons-le rapidement. Alors, enclos. Tigre. Recevoir le tigre. Oh, qu'il est beau. Bon, c'est pas un bébé. Waouh, Lulu, tu te rends compte? Notre premier locataire. Je n'arrive pas à y croire. Regarde, il est tellement mignon. Mais, tu n'as pas peur qu'il s'ennuie? Ce serait bien que les animaux aient de quoi s'amuser un peu. Je crois que j'ai une idée. Et si on accorde... Crochet une roue à l'arbre. Et si on accrochait une roue à l'arbre? Je vais commander un ballon aussi. Lulu, tu sais si les gros félins aiment autant jouer au ballon que les petits chats? Bon allez, assez parlé, au travail. Et ben voilà, on a notre premier tigre. Il va faire sa petite life. Qu'est-ce qu'il veut? Oula. Tranquille. On va le laisser tranquille. Donc on entre par là dans le zoo. On arrive, on peut aller dire coucou petit tigre. En face, il y aura des compagnons, mais pour ça, il faut qu'on termine l'enclos. Ça avance plutôt bien. Et voilà pour ce premier épisode. Franchement, je suis contente parce que j'avais peur que ce soit comme certains jeux où
Dès qu'on commence à jouer 10 minutes, on a besoin de gemmes, on a besoin de mettre de l'argent dans le jeu, etc. Et là, jusque maintenant, ça se passe bien, le niveau est pas trop compliqué, c'est plutôt réactif. Je pense qu'après, si on se connecte tous les jours, il se passe aussi des choses. Mais je suis plutôt contente et c'est assez moderne, les images sont sympas, un petit peu 3D. Notre lion, en tout cas, est super beau. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, à commenter la vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite.